Bonsoir, frères et sœurs. Nous sommes au début du sabbat. Je suis très content d'être avec vous. Mon frère et moi espérons que vous allez vous enrichir durant ce moment. Il est écrit: je vous laisse la paix, je vous donne la paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Frères et sœurs et nos chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces 10 jours de prière. Concentrons-nous pour la prière. Merci Seigneur que nous puissions passer un bon début de sabbat et qu'on a passé une très bonne semaine de scolaire et aussi qu'on puisse passer un bon moment de prière et que tu puisses bénir le prédicateur, bénir tous les gens qui sont là et les gens qui font dans les autres saisons qui font les 10 jours de prière. Au nom de Jésus, amen. Merci, merci beaucoup. Je salue fraternellement mes frères et sœurs. J'espère que nous avons passé une journée agréable et que ce soir, nous allons pouvoir passer un moment aussi agréable dans l'étude de la parole de Dieu, dans un moment de prière, pas dans l'étude, mais de prière. C'est une bénédiction de commencer ce troisième jour par de prière, par le sabbat.
Et j'aimerais souhaiter à tous un bon sabbat dans le Seigneur. La promesse ce soir, la promesse d'une mission impossible. La promesse d'une mission impossible. C'est le titre du message de ce soir. Et le texte de base que nous allons nous axer dessus, c'est dans Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8 que nous allons pouvoir lire tout à l'heure. Mais je vais vous inviter à prier avec moi là maintenant, en inclinant la tête. Nous allons faire monter vers Dieu une prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci du fait que tu nous donnes ce privilège de nous adresser à toi ce soir. Merci pour les riches bénédictions que nous avons reçues. Et à cette heure, j'ai pleinement besoin de ta présence dans ma vie. Efface-moi totalement devant toi. Et que le message de ce soir qui nous invite à la prière puisse être placé dans le cœur de chacun et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Mes amis, avant de développer ce texte que nous avons à l'écran, nous allons quand même tout de même commencer, on ne va pas perdre l'habitude, de louer ce grand Dieu que nous servons, de l'exalter avant de développer ce texte. Et pour ce faire, nous allons chanter un premier cantique qui se trouve dans le numéro 25 de notre aimé louange et nous chanterons la première strophe au numéro 25, gloire, gloire à l'Éternel. Le numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel. De nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand. Quand il crée, oh, qu'il est grand. Qu'il est juste en punissant. Qu'il est bon quand il pardonne. Et nous allons poursuivre ce moment de louange avec le psaume 113. Le psaume 113. Et là, nous allons chanter les autres couplets après. Nous allons maintenant prendre le psaume 113 et je vais demander à trois personnes dans la salle bien disposées de me lire ce psaume. Une première personne, versets 1 à 3. La deuxième personne, 4 à 6. Et la troisième personne, 7 à 9. Commençons. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Louez l'Éternel, l'Éternel est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. 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 Il est toujours important de louer notre Dieu parce que c'est un grand Dieu que nous servons, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle je vais inviter maintenant à deux personnes de faire monter une prière de louange
à Dieu. Donc, deux personnes vont avoir ce privilège de faire monter devant Dieu ce moment de prière, la prière de louange. Donc, deux volontaires. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es digne d'être loué, d'être exalté pour ce privilège que tu nous accordes de participer à ces 10 jours de prière et en plus en ce 5 jours de sabbat que tu nous as donné pour nous reposer. C'est une grande bénédiction que tu accordes à tes enfants. Nous te louons, nous te glorifions pour cela. Et nous te demandons que ta bénédiction soit sur tout un chacun ce soir sur le plateau qui partage ces moments de prière dans le monde entier. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, notre Père, notre Dieu. Nous venons à toi pour te louer, te donner toute la gloire que t'es due. Tu en es digne parce que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. Tu es là, le commencement et la fin. À toi la magnificence, à toi la louange, à toi l'action des grâces, de maintenant et pour toujours. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le nom de Dieu soit glorifié ce soir. Mes amis, nous allons maintenant nous pencher sur le texte de méditation qui se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une promesse qui est faite. Mes amis, le message des trois anges, donc, qui est en quelque sorte le thème central de ces 10 jours de prière. Donc, ce message, chacun d'entre eux est un appel urgent à la mission que Dieu nous a confiée. L'ange dit que cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Maintenant, cet Évangile est un Évangile éternel qui doit être annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. À vue humaine, cette mission paraît impossible. Impossible d'atteindre le monde entier avec l'Évangile. Mais rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et nous le savons très bien, le seul moyen d'y parvenir, c'est de croire fermement à la promesse que Dieu nous a faite dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. C'est cela que Dieu nous a donné, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce soir, chers amis, nous devons complètement confesser, je dirais, nous confesser devant Dieu par notre incrédulité. Nous devons demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas cru à cette promesse qu'il nous a faite. Trop souvent, nous avons négligé de réclamer à Dieu cette puissance que nous avons besoin pour pouvoir terminer l'œuvre. Alors, nous allons, comme chaque soir, pendant une minute, individuellement, nous allons confesser cela. Demandons à Dieu pardon parce que nous n'avons pas cru et permet
que nous puissions lui demander de croire réellement. Pendant une minute, nous allons nous incliner et nous allons confesser cela devant Dieu ce soir. Demandons pardon à Dieu dans une prière silencieuse. Pendant une minute. Voilà, mes amis, sans cette promesse, la mission ne sera pas atteinte. Alors, il nous faut constamment la réclamer, réclamer à Dieu cette puissance qu'il nous a promis. Le défi est grand pour le peuple de la fin des temps, mes amis. Mais il est identique à celui des disciples du Nouveau Testament pour le début de l'œuvre. La promesse de l'Esprit nous est donnée tout comme elle leur a été donnée par Jésus-Christ dans Acte 1, verset 8, que nous venons de lire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples. Mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Des milliers de personnes sont, nous le savons, par la grâce de Dieu, cette puissance s'est manifestée parmi les premiers chrétiens. Et le résultat, il y a eu un impact dans le monde entier. Des millions, des milliers même de personnes ont accepté le Christ comme Messie et ont été baptisés. Et nous connaissons la parole de Dieu qui nous dit que dans une journée, plus de 3000 personnes ont reçu le baptême. Et dans l'Évangile, selon Saint Matthieu, au chapitre 21, verset 22. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Il est dit ceci. Alors, je vais lire. Il dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, Dieu est prêt aujourd'hui à déverser sur chacun de nous cette puissance que nous avons tant besoin. Alors, ce soir, mes amis, réclamons à Dieu cette promesse, mais réclamons la promesse avec foi afin d'annoncer aux habitants de la terre ce dernier message qu'ils ont besoin d'entendre. Alors voilà pourquoi dans un premier moment, nous allons avoir un premier moment de prière en mini-salle. Mais avant, nous allons chanter la cinquième strophe de ce chant 125. Et je demanderai à une personne bien disposée de nous entonner la cinquième strophe de ce chant numéro 125 que nous avons déjà chanté ce soir, la première strophe. Maintenant, nous allons chanter la cinquième. Un volontaire? Au Saint, oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance.
puissance paraît le seul jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Amen. Maintenant, nous allons passer en salle, en mini-salle, pour un moment de prière, pour réclamer à Dieu cette puissance avec foi que nous avons tant besoin aujourd'hui pour terminer l'œuvre qu'il nous a confiée. Les techniciens vont nous conduire en mini-salle pour passer un moment dans la prière. Donc, je reprends, prière courte pour que chaque personne puisse avoir le temps de prier. Et je crois que c'est un moment de 7 minutes que nous aurons. Voilà, je pense que tout le monde est de retour et que nous allons pouvoir poursuivre cette méditation pour passer encore tout à l'heure un autre moment dans la prière. Mes amis, dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 31, il nous est dit, quand ils eurent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La puissance de la prière faite avec foi, Dieu répond toujours. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Remarquons, mes frères, 3 choses. Les croyants ont prié. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et le résultat fut qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec confiance, avec assurance, avec audace. Mes amis, la prière, le Saint-Esprit et la mission forment un tout. Je reprends, la prière, le Saint-Esprit, la mission forment un tout. À propos de l'expérience des disciples, la servante du Seigneur déclare, je vais revenir en arrière un peu. Je vais revenir en arrière avant de donner la déclaration de la servante du Seigneur.
Et je vais retourner sur un texte qui se trouve dans Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Il a dit ceci. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Et selon Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, du pain et dans la prière. Ainsi donc, nous aussi, mes amis, nous devons ce soir, comme ces premiers disciples, persévérer dans la prière, réclamant à Dieu la puissance de l'Esprit, que le Saint-Esprit descende sur son peuple. Et c'est pour cela que nous allons avoir un deuxième moment de prière. Ce deuxième moment de prière sera avant, précédé, bien entendu, de ce chant que nous avons dès le départ chanté, le numéro 125. Et nous allons chanter cette fois-ci la strophe numéro 6, que je vais demander à un volontaire de nous chanter. Et ensuite, nous allons repasser en salle de prière pour un moment intense, pour demander à Dieu de descendre sur nous. La strophe 6, un volontaire. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer en salle et nous allons avoir un deuxième moment de prière. Un deuxième moment de prière en salle. Voilà, donc je pense qu'on peut poursuivre ce moment. Alors, j'étais revenu sur le passage de Actes des Apôtres, mais nous allons poursuivre parce que j'avais déjà cité comment Actes 4, verset 31, ce qu'il nous dit. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, je disais que nous devons remarquer trois choses à ce niveau. Les croyants ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit et le résultat fut qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance, avec confiance. Mes amis, la prière, le Saint-Esprit, je le répète, et la mission forment un tout uni. Et sans cette relation, sans cette communion de ces trois choses, nous n'allons pas pouvoir atteindre la mission que Dieu nous a confiée. Maintenant, à propos de l'expérience des disciples, la servante du Seigneur commente en disant ceci. Écoutez bien ce qu'elle déclare dans un des livres Témoignages pour l'Église. Elle dit ceci. Nous devrions prier avec autant d'ardeur pour l'effusion du Saint-Esprit que les disciples l'ont fait
le jour de la Pentecôte. C'est fort. S'ils en avaient besoin à ce moment-là, nous avons encore plus besoin aujourd'hui, plus que jamais. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, mes amis. Et si les disciples avaient besoin de cette infusion du Saint-Esprit pour atteindre le monde à cette époque, avec l'Évangile, bien entendu, nous avons bien plus besoin encore de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui est plus vaste, plus complexe, plus insouciant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sur cette terre à peu près 8 milliards d'êtres humains. Alors, c'est le moment pour nous de rechercher réellement, de rechercher Dieu dans la prière pour obtenir la puissance infinie de l'Esprit afin d'accomplir ce qui serait autrement impossible à l'homme. L'effusion du Saint-Esprit sur l'Église est envisagée comme un événement futur. Mais c'est le privilège de l'Église de la recevoir maintenant. Je répète que c'est le privilège de l'Église de la recevoir maintenant. Alors, mes amis, nous devons rechercher, rechercher cette puissance. Priez pour recevoir et croyez en elle. Nous devons l'obtenir et le ciel, écoutez bien, est prêt à nous l'accorder. En conclusion, ce soir, puissions-nous tous d'un commun accord rechercher la puissance de cet esprit pour accomplir la proclamation du message des trois anges dans cette génération. Cherchons Dieu ensemble dans la prière pour cette prodigieuse effusion de son esprit. Recherchons ensemble la puissance de Dieu et que nous puissions croire fermement, mes amis, que Dieu nous entend et qu'il va nous répondre, qu'il descendra sur nous, parce que sans l'effusion de l'Esprit, nous n'allons pas pouvoir terminer l'œuvre. Dieu le sait, et c'est pourquoi il a fait cette promesse. Nous allons terminer ce soir en chantant le 125, les strophes 2 et 3. Et je demanderai à deux volontaires, ceux qui n'ont pas encore chanté, de nous intoner ce cantique. Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit de Dieu, saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Amen. J'aimerais, avant de terminer, mes amis, reprendre les paroles du numéro 2, de la strophe 2, qui nous dit, « Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles, Esprit de Dieu, désir frivole. » Et nous devons le dire à Dieu, « Dévoile-nous ce qui nous empêche de recevoir cette puissance que nous avons tant besoin
aujourd'hui, n'hésitons pas, mes amis, de confesser à Dieu nos fautes, de lui demander de nous débarrasser de toutes ces choses qui pourront empêcher à chacun de recevoir cette puissance que nous avons tant besoin. Mais je ne sais pas si on aura le temps ce soir, parce que l'heure avance, au moins d'entendre une personne pour qui va témoigner de la puissance de Dieu ce soir manifestée à son égard. Une minute pour pouvoir le faire. Un témoignage. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait bien témoigner ce soir avant la prière finale? Je veux bien. Bien, vas-y. Alors, je dis, il y a un cousin qui m'a demandé un lien de service. Et il fallait de l'électricité pour ce service. Et pendant que je faisais le service pour lui, on a coupé, on a pris l'électricité. Et je me suis dit, j'ai dit, Dieu, de permettre, avant de saluer mon sabbat, qu'on envoie l'électricité pour achever ce que j'ai commencé pour le cousin. Et Dieu a béni. Il a envoyé, j'ai laissé la lumière de ma cuisine allumée. J'ai dit, tout comme ça va arriver, je verrai. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté mon idée. Et c'est quand on a envoyé de la lumière, j'ai achevé de faire ce que j'avais pour lui. Et j'étais très contente. J'avais une joie dans mon cœur, le fait de savoir que j'ai fait pour le cousin ce qu'il m'a demandé. Amen. Et je dis gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Oui, je veux bien. Eh bien, vas-y, ma sœur. Alors, je dis merci, Seigneur, parce que ce matin, je suis allée dans l'école de mon fils aujourd'hui, et donc je devais aller payer la cantine. Le collège de mon fils, je devais aller payer la cantine. Et puis finalement, j'ai rencontré une petite dame. Et pendant que j'allais, je dis, Seigneur, sers-toi de moi encore. Que ton Esprit Saint soit avec moi. Et figurez-vous, Dieu a répondu. J'ai rencontré une petite dame, elle n'est pas dans notre église, mais elle connaît Dieu. Elle connaît Dieu et elle est dans une autre église. Et là, on parle, je lui dis, elle me dit, on parle des événements, c'est-à-dire ce qui se passe au collège, les contraintes qu'il y a. Et de là, elle me dit, vous savez que c'est difficile et je prie pour mes enfants, j'ai peur pour mes enfants. Quand elle m'a dit j'ai peur, j'ai dit Seigneur, tu me donnes l'occasion encore de parler de toi. Et de là, j'ai dit c'est Saint-Esprit de Dieu, ouvre ma bouche que je parle pour toi. Et si figurez-vous, la dame était tellement contente quand je lui ai annoncé. Je lui ai dit, moi, j'étais dans une autre congrégation avant d'être adventiste. Déjà, elle m'a demandé, dans le fond, quelle église que vous êtes? Je lui ai dit, je ne veux pas vous dire dans quelle église que je suis. Simplement, je voudrais vous parler. Alors, après, elle m'a dit, oui, dites-moi. Je lui ai dit, eh bien, effectivement, je suis adventiste. Et de là, je lui ai dit, il m'a dit, mais pourquoi vous êtes adventiste? Je lui ai dit, parce qu'un jour, je connaissais Dieu, mais il me manquait autre chose, c'était le sabbat, c'est de pouvoir respecter réellement la parole de Dieu. Et de là, je lui dis, vous savez, Dieu m'a fait connaître le sabbat, j'ai étudié, Dieu m'a fait passer par des moments pour que je puisse connaître ce que c'est que le sabbat. Et de là, je lui ai dit, mais expliquez-moi. Et j'ai pris le temps de lui expliquer. Vous savez que Dieu est grand, Dieu est formidable. Ceux qui ne connaissent pas le sabbat, qui sont avec nous en ce moment, je vous dis que la paix de Dieu passe par là. Quand vous aurez la plénitude, quand vous passez par là, en respectant la parole de Dieu, en mettant en pratique réellement la parole de Dieu. Et donc, je vous dis que Dieu vous bénisse. De la même manière, il a béni cette jeune femme. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Amen. 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 Mes amis, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir témoigner de la puissance de Dieu. Et Dieu met cela devant nous chaque jour. Donc, s'il faut poursuivre en racontant des expériences, il y en aura encore toujours, je le sais. Mais même si aujourd'hui c'est le sabbat, demain c'est un nouveau jour, demain matin c'est le jour du sabbat, où Dieu, aujourd'hui c'est la nuit, mais demain nous devons aller adorer Dieu, soit sur le Zoom ou encore
à l'église. Alors nous devons nous arrêter. Alors je vais vous inviter là où vous êtes maintenant à vous incliner et je vais faire la dernière prière pour ce soir. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur reconnaissant que nous te disons tous ensemble merci du fait que tu nous as parlé de la mission que tu nous as confiée ce soir. Le message des trois anges qui doit être prêché à travers le monde, c'est une tâche que tu nous as confiée. Et nous savons que sans la puissance de l'Esprit, nous n'allons pas pouvoir l'accomplir. C'est la raison pour laquelle nous te réclamons cela avec la foi que nous avons au Dieu, sachant que l'heure aujourd'hui est venue où tu descendras sur ton peuple et qu'il y aura un réveil au sein de tes enfants, au sein de ton Église. Seigneur, manifeste cette puissance que nous attendons. Et nous croyons fermement que le moment est arrivé. Descends sur ton peuple et soutiens l'action que nous devons mener par cette puissance que tu mettras à notre disposition. Bénis chacun de tes enfants. Je te prie d'une manière particulière pour les pasteurs, afin de les accompagner dans leurs tâches et que dans ton amour au Dieu, tu puisses permettre à chacun de rechercher avec la force que tu mettras en lui cette puissance pour aujourd'hui qui fera du bien à ton œuvre comme dans le passé avec les premiers disciples. Seigneur, étends ta main, que la nuit soit bonne pour tes enfants, que nous soyons en paix avec toi et que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions donc notre intervenante ce soir de nous avoir conduits dans ce moment de méditation, de prière. Nous voulons louer le Seigneur pour cela et je crois que la dynamique s'est instaurée maintenant. Nous sommes maintenant dans pleine vitesse de croisière pour ces 10 jours de prière et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, vous allez, et chacun de nous, nous allons recevoir ce que Dieu a pour nous. Et qui sait si Dieu ne va pas déverser cette pluie de l'arrière-saison pendant ces 10 jours? C'est ce à quoi nous soupirons, ce à quoi c'est notre objectif. Alors, restons dans cette commune de prière durant ces périodes. Invitez vos amis à être présents sous la plateforme. Continuez à faire, je dirais, à inviter, puisque nous savons, en même temps, nous partageons la bonne nouvelle sur cette plateforme. Donc, invitez-les à venir avec vous. Demain, nous aurons un temps fort, puisque nous aurons un message qui sera délivré et au moment du culte sur cette plateforme et aussi en présentiel. Maintenant, nous aurons à l'issue du message un moment de consécration des membres, d'accord? Un moment d'engagement, un moment solennel où nous allons nous engager individuellement devant le Seigneur et aussi au niveau de l'Église. Maintenant, nous voulions que vous puissiez participer. Ce sera tant sous cette plateforme qu'en présentiel. Maintenant, demain après-midi à 16h, n'oubliez pas, toujours dans le cadre de ces 10 jours de prière, avec cette thématique, les trois anges nous exhortent à prier, nous aurons un temps spécial. Réservez ce moment à 16h sur le YouTube et sur Espérance TV. Nous aurons un grand moment avec tous nos frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, pour un moment, un temps fort, spirituel, d'engagement, de consécration, des familles individuellement. Donc, soyez présents demain après-midi à 16h sur le YouTube de la Fédération. Merci sur Espérance TV. Et dimanche soir, nous serons là pour continuer nos 10 jours de prière
Et n'oubliez pas que le dimanche soir, nous avons ensuite, après, à 19h, nous allons commencer donc le moment de prière, continuant ainsi les 10 jours de prière. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée, une bonne nuit. Reposez-vous bien et soyez en forme pour que demain, nous puissions célébrer notre Dieu. Quelqu'un me touchait, c'était